Thank you.
Et coucou tout le monde, on se retrouve pour la fin du challenge. Donc voici ce que j'en ai fait, avec un peu plus en détail. Donc là, je me suis quand même assez bien éclatée dessus. Le thème était assez sympa, très très ouvert, donc pas trop de problèmes. Et le matériel est quand même excellent, hein. Y a pas à dire. C'est autant j'ai des crayons aquarelles, autant ceux-là ils sont excellents. Je sais juste pas mon média favori, mais quand je vois le résultat, et ça pète, hein. Il y a de la qualité absolument. Il y a juste, voilà, certains trucs, c'est. Ouais. Ah. Moi personnellement, je sais pas pour les autres, mais moi j'ai dur à l'ouvrir. La pointe pinceau, du bleu en tout cas. Bon, tiens, je vais essayer. Ah, le bleu uniquement. Faut mettre un peu plus de force. J'ai pas énormément de force dans mes mains, mais faut pas exagérer non plus. Là, j'ai eu quand même beaucoup de mal. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le truc? Bah, franchement, le papier est quand même pas mal. J'ai du papier aquarelle, c'est du papier aquarelle comme j'en ai habituellement. Il ressemble très fort au reste. Bah, à ceux que j'ai. J'aurais bien aimé un papier sans texture. Enfin, sans la grosse texture que je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Je sais pas, je vais aller voir. Voilà. Ouais, là, vous voyez la texture du papier en dessous de la couleur. C'est la texture d'un papier aquarelle de base. On va pas chicaner. Mais moi, c'est justement ça que j'aime pas, en fait. C'est voilà, c'est mon petit souci avec l'aquarelle, c'est le papier. Je sais que je crois que c'est du... Je dis des bêtises. Non, c'est pas du Colprest. C'est l'autre que je devrais prendre. Ceux qui justement ont moins de texture, moins de grainage. Je devrais le tester, mais pour l'instant, là, je suis pas... Je devrais me remettre à l'aquarelle, hein. J'aime bien. C'est un truc que je peux travailler quand je veux. Hein. S'il y a 26 degrés, c'est pas grave. Moi, au-dessus de 25 degrés, je peux plus utiliser mes marqueurs parce que la couleur a tendance à foncer un peu. J'avais déjà remarqué ça avec mes brushes, mes graphites. Mais ça le fait avec les autres aussi. C'est pas que c'est chiant, c'est juste que c'est décontenance. Sinon, oui. Il y a certaines zones où voilà, le papier est un petit peu saturé chez moi. Est-ce que c'est moi qui ai mal utilisé le bazar? Je n'en sais rien. Mais le résultat est quand même pas mal. J'aurais aimé un peu plus de contraste entre les couleurs. Ou c'est peut-être moi qui les ai mal mélangés parce qu'à mon avis, il y a moyen de faire des tas de choses avec. Mais voilà, moi je me suis éclatée sur celui-là. Je crois que celui-là, je vais le foutre sur Redbubble aussi. Il est bien. J'aime bien. Voilà, donc j'ai juste triché sur un truc. Mais ça vient d'une Squalorbox aussi, donc voilà. J'ai utilisé le Uniball Signo qu'on nous avait donné dans une des autres boîtes. Je ne sais plus laquelle. Je mettrai ça dans la description, de toute façon, en dessous de la vidéo. Et voilà, donc voilà pour le débrief. Ah, je voulais dire, j'ai précisé à l'unboxing que ce pinceau allait me rendre malade. Parce que bah, il allait se colorer, machin. Et en fait, ça va. Il reste plus ou moins blanc. Il y a le bout qui change de couleur. Hein. Mais ça va, la peinture elle reste pas dessus. Donc, c'est juste chiant de remettre le capuchon. Mais sinon, voilà, c'est du très très bon matériel, excellent même. Moi, je me suis éclatée sur le projet. Là, j'espère finir le montage assez rapidement. Je vais devoir trouver un truc parce que j'ai pas forcément l'occasion de faire un voice-over. Donc, je vais certainement devoir mettre du texte. Et je sais pas comment je vais faire. En tout cas, voilà, si je fais un voice-over, je ferai un voice-over, mais ça va retarder l'upload de la vidéo. À voir. De toute façon, vous verrez bien. Et entre-temps, bah, j'ai encore la vidéo du mois de mai à tourner. Et je vais vous faire un petit aperçu ou pas? Ouais. Il se peut que ça change, hein, mais j'ai pensé pour le mois de mai, comme voilà, ce sera ça. Pour ceux qui connaissent le personnage, ils l'auront peut-être reconnu. Ce sera celui-là certainement au mois de mai.
pour la boîte du mois de mai. Mais ça, il faut encore que je le tourne. Et je suis pas encore prête. Donc celle du mois de mai devrait arriver au moment où je reçois celle du mois de juin. Je crois que celle du mois de juin, elle vient d'être envoyée, donc on aura l'unboxing avant, quoi qu'il arrive. Allez, je vais vous faire des bisous et merci encore d'avoir regardé. Des bisous, à bientôt. Bye bye.